appelle la bioélectronique, qui me semble est de la vie et des avis les plus autorisés, comme certainement une des voies les plus passionnantes de l'étude de l'être humain qui s'ouvre à nous pour les années qui viennent. Je tiens à ce que nous remercions tout particulièrement le professeur Vincent d'être parmi nous ce soir, car il part en mission officielle pour l'Espagne demain matin, et donc il sacrifie un peu de son sommeil et de sa fatigue pour être parmi nous ce soir, et je crois qu'on peut le remercier. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir de venir vous parler aujourd'hui de bioélectronique, bien que nous ne soyons pas dans une faculté de médecine, mais nous sommes en face de bonne volonté de tous ordres qui essayent de se préoccuper de la santé humaine par les pratiques les plus douces et les moins nocives. Et en ce sens, cette recherche, cette tendance ne peut que me favoriser à vous aider et à aider tous ceux qui cherchent pour les conduire vers une voie scientifique, car beaucoup de ces pratiques sont dévaluées officiellement, bien qu'elles aient de l'intérêt, je le répète, parce qu'elles n'ont pas de support scientifique indiscutable. Et je crois que la bioélectronique est en mesure de donner à toutes ces disciplines de bonne volonté, même s'il y en a quelques-unes qui sont peut-être discutables, mais on peut toutes arriver à les valoriser si on sait les accorder avec un domaine et des possibilités de contrôle. Car de quoi s'agit-il ? Il ne s'agit pas de dire « voici une nouvelle méthode de guérison ». Depuis que l'humanité existe, toutes les méthodes ont été utilisées et nous nous apercevons que celles que nous utilisons aujourd'hui, et je le dis nettement parce que j'ai la certitude scientifique, ne valent absolument rien et sont même néfastes pour le devenir humain par rapport aux anciennes disciplines traditionnelles qui apparemment ne paraissent pas scientifiques. Car il y a une chose, c'est que nous ne sommes pas des matières inertes, mais nous sommes des êtres vibrants, des êtres vivants, et qui, parce qu'ils sont vivants, sont vibrants, sont soumis à certaines vibrations, et disons le mot, à certains champs magnétiques. Ce qui caractérise à l'heure actuelle, et sur le plan scientifique, le vivant du cadavre, c'est tout simplement une différence de champ magnétique que nous pouvons mesurer par la bioélectronique. Et c'est ce champ magnétique qui explique toutes les possibilités de l'être humain au point de vue de la pensée, au point de vue de toutes les affectivités, au point de vue de la psychologie, etc. Tout cela est une résultante d'un champ magnétique s'appuyant sur un somatique. Mais cela n'est valable qu'à la condition que ce somatique soit lui-même équilibré et non déséquilibré, sinon le champ magnétique est lui-même déséquilibré. Ce qui veut dire en d'autres termes, c'est que le psychique dépend du somatique, c'est-à-dire de notre support matériel, de notre chair. L'esprit est une dépendance, est une dérivée de notre corps, de notre somatique. Si ce corps est malade, le somatique, le spirituel n'existe pas, et le psychologique, où il est, comment je dirais, amoindri et il ne correspond pas aux valeurs normales. Ce que nous envisageons à l'heure actuelle, c'est justement une médecine essentiellement électromagnétique qui soit à l'harmonie de l'univers. Nous savons maintenant, je ne peux pas rentrer dans les détails, il faudrait des heures et des heures, nous savons que l'univers est essentiellement électromagnétique. Nous le savons officiellement. Depuis qu'un prix Nobel a été accordé en décembre 1979 à
un physicien pakistanais et à deux physiciens américains USA qui ont démontré à partir des neutrinos que toutes les manifestations de l'univers, aussi bien les phénomènes de gravitation que les phénomènes interatomiques, étaient d'ordre électromagnétique. Ce n'était pas nouveau, mais c'était nouveau pour la compréhension du monde scientifique, parce qu'en 1958, donc il y a 22 ans, j'avais écrit dans une revue d'ingénieurs, l'ingénieur constructeur, trois séries d'articles sur 6 mois, représentant 60 pages, et exposant que l'univers et la vie étaient liés, que la vie était une conséquence de l'univers, et que tous deux étaient électromagnétiques. Évidemment, c'était prématuré, et cette hypothèse n'a pas été retenue, mais voilà que maintenant, elle est devenue officielle depuis que des étrangers se sont accaparés de l'idée qui avait été dite 22 ans avant, et l'ont fait leur. Et c'est ainsi que les choses se déroulent habituellement en France. Nous avons beaucoup d'idées, paraît-il, mais nous sommes incapables de les exploiter, c'est les autres qui doivent en profiter. Cela qui n'empêche de conclure ceci, c'est que la vérité est une, elle est bien établie. Nous sommes dans un monde essentiellement électromagnétique, aussi bien, je l'ai dit, pour la gravitation que pour les forces interatomiques, ou toutes celles qui peuvent se manifester à la surface de la Terre, que ce soit les orages qui sont électromagnétiques. On le sait, la foudre, ça, tout le monde le sait, mais il ne se doute pas du reste. Les phénomènes volcaniques sont électromagnétiques, tous les courants telluriques sont électromagnétiques, les tremblements de terre sont des orages souterrains, ce n'est pas la Terre qui s'effondre, ce sont les orages souterrains. À telle enseigne que dans certains tremblements de terre, d'abord, lorsqu'ils se sont manifestés, des gens sont foudroyés, sont électrocutés par les décharges qui se produisent sur le globe. Mais bien avant, vous avez la prémonition de la catastrophe qui se manifeste chez les animaux qui sont très sensibles, comme les chats notamment, les serpents et les chiens. Ce sont les serpents les premiers qui, dans un sol qui commence à avoir un potentiel qui augmente, un potentiel électromagnétique, les serpents sortent de leurs trous et se répandent à la surface de la Terre. C'est un signe que les Chinois ont observé depuis longtemps et qu'ils savent, lorsqu'on voit un déluge de serpents ou de rats à la surface de la Terre, c'est qu'il y a des catastrophes qui vont se manifester. Le chat, lui, il quitte l'habitation où il ne peut plus rester, car il est très sensible aux effets électromagnétiques, et il quitte la maison. Le chien, lui, il hurle à la mort. Or, si vous avez de la mémoire, ou si vous avez des archives sur les tremblements de terre par les journaux, vous verrez qu'à la veille des tremblements de terre, les chiens hurlent à la mort et les chats ont quitté le domicile. Pourquoi? Parce qu'il y avait des effets électromagnétiques. Mais ça, c'est pour la Terre, mais pour les êtres vivants. Les êtres vivants, c'est la même chose. Nous sommes des êtres électromagnétiques. D'ailleurs, dans le langage populaire, on a dit depuis longtemps, l'être vivant est constitué par l'étincelle de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, l'étincelle de vie, nous le savons maintenant, depuis que par les mesures bioélectroniques, et cela date de 1976, j'ai démontré que le spermatozoïde agissant sur l'ovule lors du phénomène de fécondation a pour effet de produire une décharge électrique sur l'ovule de 480 000 volts. Évidemment, il y a très peu d'ampérage, il y a très peu de puissance, mais il y a un potentiel très élevé qui a pour effet de coaguler immédiatement l'ovule et de permettre la préservation de cet ovule de l'atteinte de toute autre attaque de spermatozoïdes. Les Égyptiens avaient observé ce phénomène depuis très longtemps, puisqu'ils disaient la fécondation, et cela je parle dans le livre de Thoth que l'on trouve au temps de Ménès, c'est-à-dire 5000 ans avant Jésus-Christ, où il parle que la fécondation des humains et des animaux est effectuée par un feu de céleste. Il disait c'est le feu de Sirius, c'est le feu de Sotis. Sotis, c'est l'étoile Sirius qui assurait la base du calendrier égyptien. Eh bien, ce feu céleste, c'était une décharge électrique, tout simplement, mais que maintenant, avec la physique atomique, nous sommes en mesure de chiffrer. J'ai trouvé 480 000 volts, les derniers calculs avec les physiciens à Paris, eh bien, voir ici, c'est pas 480 000, c'est 500 000 ou 520 000, ça n'a pas d'importance. L'essentiel est de savoir et de retenir que la fécondation correspond à un phénomène électrique très important. Mais il faut pour cela que celui qui donne le spermatozoïde, c'est-à-dire le mâle, soit en état de santé. Alors vous savez à l'heure actuelle ce qui se produit, c'est qu'il y a beaucoup de stérilité, il y a beaucoup de couples qui voudraient avoir des enfants, de jeunes couples qui ne peuvent pas en avoir. Pourquoi? Parce que le mâle, le donneur de spermatozoïdes, n'est pas suffisamment potentialité en énergie négative de façon à produire
ce potentiel. Et pourquoi cela? Et alors là, nous arrivons au grand drame, au drame abominable, ce que j'appelle le massacre de notre civilisation par les erreurs qui ont été accumulées durant ce dernier siècle, et même avant. Je veux parler des vaccinations. Les vaccinations qui sont des éléments de pollution du somatique des individus ont pour effet de modifier leur potentialité et de les réduire, au lieu de leur donner des potentialités négatives qui sont créatrices, car on ne crée la vie que dans le négatif et non dans le positif. Le positif correspond à un excès d'énergie nuisible. Pour les électroniciens, je le précise, vous n'êtes pas tous électroniciens, l'énergie négative est celle de l'électron. Tandis que l'énergie positive est une énergie à trous qui n'a pas d'électron. C'est une énergie battable, positive, mais qui n'a pas le sens de la vie. La vie ne peut se faire qu'en présence d'électrons qui a le plus grand champ magnétique possible, celui qui donne la vie. Et alors qu'est-ce qui nous arrive à nous? Eh bien, il nous arrive à nous que nous sommes des êtres dégénérés. Nous sommes des êtres dégénérés parce que nous n'avons pas d'électrons, parce que nous n'avons pas de champ magnétique, parce que nous avons été pollués par les vaccinations d'un individu qui s'appelait Pasteur et qu'on honore dans toutes les universités, malgré que je proteste contre lui depuis plus de 30 ans, en le dénonçant comme le plus grand malfaiteur de l'humanité, celui qui a répandu sur la planète non seulement les thromboses, mais les cancers, les dégénérescences, etc., avec ses vaccins, parce qu'il a triché sur la théorie des vaccins. C'est une imposture absolument abominable que je ne cesse de dénoncer, qui devrait, au terme de la loi, mener en prison depuis 20 ans, mais enfin, le pouvoir jusqu'ici n'a pas osé me mettre en prison pour avoir dénoncé des vérités. Et je me permets au contraire de relancer le garde des Sceaux pour lui signaler les crimes qui sont connus par des lois scélérates votées par un parlement d'incompétents qui imposent des vaccinations qui conduisent les populations aux dégénérescences, aux cancers, aux thromboses, aux inadaptations et à la mort accélérée. Et cela pourquoi? Parce que on a supprimé le champ magnétique. Et ce champ magnétique, on le supprime non seulement en polluant les êtres, mais on le fabrique aussi par des médications chimiques. Or, le chimique de synthèse n'a jamais eu de champ magnétique. La vie n'est pas dans le chimique. La vie est dans l'œuvre de la nature. Il n'y a que la nature, il n'y a que la terre. La terre, notre mère, qui est capable de donner la force et le champ magnétique. Rappelez-vous, ou apprenez si vous ne le savez pas, le mythe d'Anté. Anté était cette puissance énergétique qui était capable de lutter à Hercule au temps de la mythologie. Mais Anté ne prenait sa force que dans la mesure où un de ses pieds touchait la terre, c'est-à-dire garder le contact avec la terre. Or, un jour, Hercule apprit que la puissance d'Anté dépendait de ce contact, et il décida de soulever Anté pour que le contact n'ait plus lieu avec la terre, et Anté fut étouffé par les bras puissants d'Hercule sans pouvoir parler. Eh bien voilà l'histoire, c'est de la mythologie, mais c'est de la mythologie qui a sa signification, et qui indique que même dans les temps les plus lointains, on s'intéressait de façon très près à ce qui concernait la puissance de la terre, qui est négative, ne l'oublions pas. Tous les fruits que nous pouvons obtenir de la terre sont négatifs et possèdent un champ magnétique. Tous les artifices de la pharmacie, quels qu'ils soient, nous préparent aux déchéances, au cancer, aux thromboses, aux souffrances, à la folie, aux dérèglements mentaux, parce qu'ils sont dépourvus de champ magnétique. Voilà la grande découverte de la bioélectronique qui permet de le mesurer à chaque instant. Un sujet normal et un sujet qui reste dans certains cadres et de potentiel protonique, c'est-à-dire acide, et de potentiel électronique. Et c'est en cela qu'il faut voir tout l'intérêt que peuvent présenter les nouvelles disciplines qui sont présentes, qui sont envisagées de tout ordre. Si elles apportent quelque chose qui est en mesure de favoriser le champ magnétique, elles sont bonnes pour l'individu. Si au contraire elles ont pour effet de détruire, d'anéantir ou de diminuer les potentialités du vivant, elles sont néfastes. Et la bioélectronique vous donne les moyens
de mesurer et d'apprécier mathématiquement, très exactement, le destin et les possibilités réelles de toutes ces applications par des mesures. Ces mesures sont effectuées sur le sang, sur la salive et sur l'urine. Le sang plus la salive donne l'énergie positive et la salive donne l'énergie négative, celle qui est éliminée. Pour qu'il y ait une bonne santé, il faut que l'énergie soit très résiduelle, soit très légèrement positive. Si elle est trop positive, alors que l'énergie de l'urine est négative, il y a un excès positif et c'est le cancer qui se déclenche. Parce que le cancer n'est pas autre chose qu'une possibilité exagérée de développement d'une énergie positive, c'est-à-dire sans électrons, c'est-à-dire sans champ magnétique. Et on voit alors dès lors toutes les maladies. Je vous ai parlé des maladies mentales, mais elles ont toutes passé à l'ordre du jour parce que la bioélectronique conçue il y a à peu près depuis 1935, nous sommes en 80, ça fait 45 ans, ont été enseignés en Allemagne à partir de 60, étudiés en Allemagne depuis 60, c'est-à-dire depuis plus de 20 ans, et reconnus entièrement valables dans toutes leurs possibilités étudiées sous toutes les faces possibles des maladies. Et ce qui a fait et a justifié la création d'une société internationale d'intérêt public sur la bioélectronique Vincent, dont je suis simplement le président d'honneur à vie, car la direction effective doit rester à des médecins et à des jeunes qui sont empathiques avec le malade. Moi-même, je ne suis pas médecin, je suis ingénieur et physicien, j'ai conçu les théories et ce sont les médecins qui les appliquent et qui ont reconfirmé la valeur de ces théories. Eh bien, ceci vous est dit pour que vous sachiez ce qui existe, quelles sont les possibilités que nous avons actuellement pour pouvoir déterminer l'état d'un terrain biologique. Vous dire très rapidement si vous êtes sur le cancer, si vous préparez à un cancer ou une thrombose, si vous êtes en déficience d'âge ou en augmentation, si vous êtes rajeuni ou si vous êtes vieilli, si vous allez vers la catastrophe ou non, tout cela se voit très simplement sur les mesures. C'est un bilan électromagnétique qui est fait et qui ne trompe pas parce que la vie est très électromagnétique. Le jour où vous avez des fatigues, vous vous sentez fatigué, et bien il y a quelque chose qui n'est pas normal. C'est pas de prendre des médicaments. Les médicaments, je vais vous les indiquer, les grands médicaments, ils sont naturels, ceux qui permettent, qui ont fait des miracles. Et dans toutes les positions, je vous en citerai quelques-uns, qui sont absolument incroyables, mais qui correspondent maintenant à des explications et à des certitudes absolument scientifiques. Qu'est-ce que nous sommes? Que sont les animaux? Nous sommes des êtres qui sont constitués de 65% d'eau. 65% d'eau. La vieillesse se caractérise par quoi? Par le raidissement, par la diminution d'eau, par une baisse du taux d'hydratation qui peut baisser jusqu'à 45% et à ce moment, les plus graves catastrophes sont prévisibles, mais qui baissent progressivement. Donc c'est ce taux qu'il faut surveiller. C'est ce taux qui règle tout. Parce que l'eau, ne l'oubliez pas, l'eau est un liquide absolument extraordinaire. L'eau pure, et alors là je fais un distinguo, entre l'eau pure et l'eau minérale, l'eau qui est publicitée par tous les charlatans qui vendent des eaux minérales, qui ont des eaux minérales à vendre. Depuis 40 ans, je dis qu'elles sont cancérigènes. On a dit Vincent, il est fou. Mais Vincent n'est pas fou du tout. Il est bien tranquille. Et voilà qu'on vient de retrouver en Amérique. Vous leur avez dit il y a 20 ans, mais ils n'ont pas cru. Lors d'une conférence à Chicago, où ils m'avaient invité, ils n'ont pas cru, parce que c'était pas possible qu'un Français trouve une chose comme ça. Il a fallu 20 ans aux Américains pour vérifier ce que je leur avais dit. Que les cellules cancéreuses étaient bourrées de minéralisation, excepté cette minéralisation qui créait une pression osmotique, laquelle produisait la construction anarchique de cellules monstrueuses. Un simple phénomène physique. Et voilà que c'est fait, voilà que c'est découvert. Et on parle de grandes découvertes. Mais il y a 20 ans, il y a 40 ans que c'est écrit dans mes livres. Mais personne ne les regarde. Personne. Absolument pas. On continue de prôner les eaux minérales. Non, non. Voilà l'Académie de médecine. Voilà l'Académie de médecine qui, ces jours-ci, c'est la brochure, vient de dénoncer l'usage des eaux minérales. Ben, on en a attendu 40 ans. Parce qu'il y a 40 ans, je discutais avec les messieurs
Avec 40 ans, je leur ai dit, les eaux minérales, lors de réunions, sont cancérigènes. Bien entendu, ils n'y ont rien cru. Je leur ai expliqué les causes physiques, etc. Mais ils n'y comprenaient rien. Ils ne sont pas physiciens. Ils étaient médecins. Le médecin n'est pas un physicien. Mais il doit devenir un physicien s'il veut faire de la bonne médecine. Sinon, il ne comprend absolument rien à ce qu'il fait. C'est pas de donner les médicaments qui sont chargés lorsqu'on a un cancer. C'est de supprimer la cause. C'est d'éliminer. C'est de diluer. Et quel est le remède? C'est l'eau! En disant, le sang, mais c'est un charlatan, l'eau. Je ne la vends pas, l'eau, ça ne me rapporte rien. Je ne vends pas un remède de bonne femme à 100 francs ou à 200 francs. Là, on aurait le droit de dire, je suis un charlatan. Moi, je ne vends pas l'eau. Je vous vends la vérité. Je vous la donne. Je ne vous la vends pas. Vous la voulez, vous ne la voulez pas. Écoutez mon enseignement. Mais ne vous plaignez pas si vous souffrez. Parce que vous serez les premières victimes de votre endettement. Il faut comprendre des choses. Rien n'est mystérieux en ce monde. Chaque chose a une cause. Les médecins chinois disaient il y a bien longtemps, Fouy, le premier empereur blanc, parce que le premier empereur de la Chine a été un blanc, Fouy, qui a fait un livre de médecine qui est semblable à peu près de celui de Thoth en Égypte. Car j'ai étudié toutes ces civilisations, et peut-être certains d'entre vous ont lu un de mes livres qui s'appelle Le paradis perdu de Mu, où je relate beaucoup de ces faits extraordinaires. D'ailleurs, il y a M. Godefroy, à quelques-uns de ses ouvrages, sur ça, il dirait ça, il est tour. Je ne fais pas ça pour la propagande de mes livres, mais pour vous documenter, si vous désirez vous documenter. Bien, qu'est-ce qu'il dit Fouy au début? Conseil aux médecins. Quand tu soignes, hein, de déplacer le mal. Ne donne pas un remède qui, pour guérir une maladie, va en provoquer une plus grave. Et plus loin, plus tard, bien plus tard, un disciple de Confucius, Puiki, 250 ans avant Jésus-Christ, dit, mais en fait, en toute chose, le médecin doit d'abord rechercher la cause. À quoi sert de guérir si on ne connaît pas la cause qui a produit le mal? Car à vouloir chercher à guérir sans connaître la cause, on risque de provoquer une maladie beaucoup plus grave. Et c'est ce que nous avons fait. Avec les vaccins, le charlatan est l'imposteur surtout, parce que je suis un abominable imposteur. Il a exposé scientifiquement des théories fausses. Il a été plébiscité dans toutes les académies, ce chimiste imposteur, en disant « j'atténue des souches de microbes en les soumettant à des effets de chaleur et je crée des nouvelles races de microbes qui nous guériront ». Et en effet, ces soi-disant microbes qui ont été travaillés par la méthode de Pasteur, ils ont pour résultat de guérir d'une maladie. La maladie microbienne. Mais on ne va pas plus loin. Seulement, quand on fait un acte médical, on guérit. Et après, est-ce qu'on ne va pas, suivant les principes de poésie, créer une maladie plus grave? On vous guérit d'une chose pour vous donner quelque chose de plus grave. On a guéri de la tuberculose, pour faire quoi? Pour créer les cancers du poumon. Eh oui. De là, on a fait l'autre. Et pourquoi la tuberculose? Eh bien, la tuberculose, c'est parce qu'il faut remonter à Genève, encore un malfaiteur public, du temps de Bonaparte. Celui qui avait invité à inventer la vaccine. C'était génial, la vaccine. On prenait du pus, de pustules, de mamelles de vache, qui avait la variole. Et ce pus, on l'instillait et on l'inoculait aux humains. Du pus d'une pustule de vache, qui a la variole, on le prend et on l'inocule à un humain. Pour donner la santé. C'est bien. Quel progrès. Bienfaiteur de l'humanité. Par les académies de Londres. Et de Bonaparte. Premier consul qui a imposé à la France. Le malheureux, il s'est fait vacciner. Mais il en est mort. Il en est mort 20 ans après, bien sûr, parce qu'il est mort jeune, Napoléon, à Sainte-Hélène. Il a étudié tous les cas. Et alors, et son fils, il a fait vacciner le roi de Rome, à un an. Il a 21 ans. Ce magnifique jeune homme, petit enfant,
était un enfant de toute splendeur, de toute vie, fut reçu l'inoculation des nerfs et immédiatement devint mortifié, anxieux, morbide, malingre, malade. Et à 21 ans, il mourait tuberculeux au dernier degré, dans les bras de sa mère, accouru, ne lui laissant avec son dernier soupir qu'un cadavre déjà tout vert et anti-anti, pourri. C'est à l'autopsie qui tient les documents autrichiens que nous ne savons pas en France, non, dedans. Et à l'autopsie, le cadavre était rempli de tubercules. Parce qu'on lui avait injecté, c'était de la semence, du pu, de la pustule de vache. Or ce pu, qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'était une mycobactérie tuberculis, c'est-à-dire mycose champignon. C'est un champignon. On lui a inoculé du champignon qui a mis 20 ans à prospérer dans l'organisme. Et ce fameux génère bienfaiteur de l'humanité, proclamé bienfaiteur de l'humanité en 1800, comme pasteur, bienfaiteur de l'humanité, et il a créé le cancer. L'autre a créé la tuberculose. Et quand on a la tuberculose, on a fait le cancer. Et ça fait 200 ans que cette plaisanterie dure, que la sécurité sociale n'en peut plus, que les gens sont malades, que les femmes craignent le cancer comme les hommes, que les hommes s'effondrent avec des thromboses. C'est en jeune, même phénomène, bien là. Vaccination. Et on continue les vaccinations. Et il y a 500 imbéciles au Parlement français qui votent les lois. Il y en a 800 parce qu'il n'y en a pas 100 au Sénat, qui ne valent pas plus. C'est très simple. Je les ai vus, ces gens-là, avant les lois. J'ai été voir les rapporteurs. J'ai été les voir étant professeur à l'école d'anthropologie il y a 30 ans. Je leur ai dit, monsieur le rapporteur, vous faites un crime contre le pays. Vous n'avez pas le droit de voter ce vaccin. Et c'était un médecin, il ne comprenait rien du tout. Il dit, mais si on vous écoute, alors la médecine ne tient plus debout. Mais j'ai dit, bien sûr qu'elle ne tient plus debout. Vous allez arriver, vous allez foutre le cancer et les thromboses à tout le monde. Et c'est ce qui est arrivé. Et les courbes, elles sont comme ça. Et elles montent sans arrêt. Sans arrêt. Et personne ne voit d'où ça vient. D'où ça vient. Et alors, pour améliorer cet état, eh bien, il y a eu le phénomène de l'eau. Alors l'eau, on a dit, les lois pasteuriennes, on va faire de l'eau pure. Alors les eaux qu'on vous distribue, à Paris et ailleurs, partout, il y a des lois d'hygiène. Eh bien, on les rend bonnes, soi-disant bonnes, en leur fixant des produits chimiques. Alors on met du sulfate d'alumine, on met de la chaux, on met du chlore, on met du fluor, et maintenant les Américains proposent du chlorure de phosphore, pour que ça fasse de la dynamite. Alors comme ça, quand nous exploserons, le problème sera réglé. On nous en rigole, mais enfin, je ne sais pas rire. Écoutez, si tout de même, c'est vous, c'est moi, c'est tout. Moi, je suis prévenu, ça fait 50 ans, ça fait 30 ans, ça ne me risque pas cette histoire-là. Parce que je ne prendrai jamais une goutte d'eau. J'ai fait le tour du monde et je n'ai jamais pris une goutte d'eau et je n'ai jamais été malade. J'avais toujours derrière moi, j'avais ma bouteille d'eau à moi, je savais d'où elle venait, c'était de la bonne eau. C'est pas de l'eau de ruisseau ou de l'eau de service public, etc. Et je n'ai jamais rien vu. J'ai soigné en Orient des populations qui avaient les pires épidémies de choléra et je n'ai jamais rien eu. Et alors comment ça se fait? Vous êtes... Mais pas du tout, monsieur. Parce que tout ça vient de l'eau. Si au lieu de leur faire des piqûres de pénicilline et de saloperie, vous aviez regardé la merde que buvaient ces gens-là, vous auriez compris pourquoi ils avaient le choléra. Mais vous ne regardez pas, vous avez des yeux à l'écriture et vous ne savez pas voir. Vous avez des oreilles et vous ne savez pas entendre. Eh oui, on fait de la médecine, on fait du pasteurisme, on fiche des vaccins comme à des troupeaux. On va conduire à l'abattoir, que ce qui arrive maintenant sans vaccin, on va inoculer d'un coup, à la chaîne, faut aller en Afrique. J'ai eu dernièrement un médecin d'UNESCO, je ne dirai pas son nom bien sûr, moi je prends mes responsabilités, mais je n'engage pas les autres, je suis assez grand moi pour me défendre. Et j'attends qu'on me foute en prison, parce que j'ai droit à la prison d'après la loi. Chaque fois que je parle contre les vaccinations, j'ai droit à 2 ans de prison. Je dois avoir à peu près 4 ou 500 ans de prison à l'heure actuelle. Alors vous voyez, mais il y a un grand homme d'État qui a dit Vincent, on le met en prison. Alors, c'est tranquille. Quand j'ai écrit à cet homme d'État, c'est le général de Gaulle. J'ai dit, monsieur le président, vous venez de perdre votre fille. Vous venez de perdre votre fille qui était dans l'enfance, qui était une île adaptée, à 17 ans. Et des méchantes langues ont dit que c'était une question héréditaire. Non, soyez tranquille, ce n'est pas ça.
Votre fille est une des victimes parmi les centaines de milliers de victimes et les millions de victimes qui existent en France. Elle a été une victime du pasteurisme et des vaccins. Vérifiez. Vérifiez, monsieur le président. Vérifiez les vaccins qu'il a. Et le général de Gaulle m'a écrit, cher monsieur. J'ai bien reçu votre nouvelle communication et je vous en remercie. J'ai noté que désormais je vous lirai avec cela toujours avec la plus grande attention. Et si j'ai cette lettre signée du général de Gaulle dans un encadré en noir après la mort de sa fille. On ne met pas en prison le professeur Vincent. Donc j'ai une certaine immunité. J'ai une certaine immunité pour l'instant, ma France, si jamais. Hein? En tout cas, ça ne m'empêchera pas de dire au contraire ce que je dois dire pour le bien public et non pour moi. Alors, veuillez réfléchir à ceci et veuillez noter combien la question est importante. Alors, quoi faire? Quoi faire? Eh bien, quelles sont les règles de conduite? Les règles de conduite sont simples. Problème de l'eau. Problème de l'eau est absolument capital. Vous ne devez voir que des eaux très pures. Voilà. Voilà. Ah, c'est le drame. Et j'ai demandé que l'État, il y a longtemps, à Aix-la-Chapelle, lors d'un congrès international, en 60, que tous les États d'Europe devaient prendre en charge de fournir à chaque habitant au moins 4 à 5 litres d'eau par jour en cherchant un système de liquide. D'eau pure, de source, c'est bien la source, et des eaux encore choisies. Il ne faut pas des eaux minéralisées, il faut des eaux très pures. C'est-à-dire qu'ils viennent dans des terrains granitiques ou volcaniques. Vous voyez, ce n'est pas simple. Quand on est dans les régions calcaires, eh bien c'est là où vous avez le maximum de calcaire. Je vous citerai une région, il y en a peut-être de vous, chez vous, qui, ici, qui en sont, toute cette région-là, de Lyon, de l'Auge, les cancers sont... Il y en a partout, partout, même dans les campagnes où ils ont des eaux de source, parce que les eaux sont très calcaires. Les eaux sont excessivement calcaires. Elles minéralisent les tissus, elles créent des dépôts, elles créent des calculs. Et alors, chez les personnes âgées, ce sont les rhumatismes, ce sont les arthroses, les membres bloqués, etc. Nous fabriquons ça par l'usage de l'eau. Il faut 50 ans, bien entendu. C'est très amusant. Moi, il y a 50 ans, je bois, maintenant j'ai compris, je bois que de l'eau très pure, très pure, très pure. Et la plus pure possible, c'est ce qu'il faut. Eh bien, je me donnais une épaule. J'ai mis une épaule il y a 4 ans. Et puis, je me suis payé le luxe il y a 4 mois de me casser le bras droit, complètement en 5 morceaux, mais il s'est recollé, très bien, avec... Non seulement parce qu'il n'y avait pas de calcul, mais parce que j'ai donné la matière pour qu'il se colle, c'est-à-dire beaucoup de calcium en mangeant beaucoup de fromage, presque exclusivement du fromage, de façon à reconstituer les tissus, et ça s'est fait sans aucune opération, sans rien du tout. Si bien que maintenant, vous voyez, depuis le 28 janvier, où je suis tombé et où mon numérus s'est cassé en 5 morceaux, il s'est rétabli et il n'est pas tout à fait droit dans cette année. C'est pour ça que j'ai mal l'air collé, et puis alors vous êtes un phénomène vraiment de savoir recoller vos ouvriers. Je l'ai fait avec le fromage. Et puis une autre technique qui est ici, la musique. J'ai trouvé des airs parce que je suis resté 2 mois immobilisé, je vous assure que c'est long pour quelqu'un qui est actif, qui est dans son plat parce qu'il ne faut pas bouger, qui n'arrive pas à devenir fou. Alors j'ai fait de la musique et j'ai trouvé des airs un jour, dès le début, qui me faisaient vibrer. Mon bras, il faisait faire, on était fatigué. C'est amorcé, et en effet. Et en un mois, j'ai eu mes os recollés, sans opération, sans rien du tout. Je donne la tête comme elle est vécue. Mais il y a mieux. C'est que quand, avant, j'étais payé le luxe de me tomber, je tombe toujours, et de m'arracher le bras gauche, luxation. Le bras était sorti, et il était par là, bon, il a fallu le remettre en place. Alors le chirurgien me dit, oh ben, ça dit, il n'y a rien à faire, il faudra que vous passiez par une opération. Enfin, on va voir ça, etc. Bon, j'ai dit, moi, je veux pas d'opération, rien à faire, débrouillez-vous, allez. Moi, je veux remettre en place en face sur ça. Donc, on va voir. Il me fait l'étude détaillée à la radio. Ah, il me dit, mais vous êtes un phénomène. Déjà, vous avez combien? Je dis, j'ai 71 ans à ce moment, puisque j'en ai 74 maintenant. Vous n'avez pas un dépôt, vous, dans les articulations. Comment vous faites? Ben, je dis, c'est l'eau. Je dis, comment l'eau? Eh, parce que ça fait 50 ans que je n'ai pas vu d'eau calcaire. Je n'ai pas envie de me calcifier comme la chaudière à eau qui se remplit de dépôts, de tarpes ou comme la casserole. Parce que nous sommes des chaudières à basse température. Si vous prenez des eaux minérales, vous vous chargez de dépôts. Et il arrive un jour, quand vous avez 50 ans, 60 ans, etc., vous aurez des dépôts, vous aurez des arthroses. Vous voyez, le problème, tout se paye dans la vie. Il faut penser à tout. Et c'est là où est le véritable problème. Donc l'eau est le problème essentiel. Et le second, donc eau très pure, eau excessivement pure. Soit l'eau de granit, soit l'eau de volcan. Alors, est-ce que je peux vous dire, l'eau la plus pure qui existe, vous avez l'eau de Vosgien, qui est bonne et qui est bien connue, mais l'eau la plus pure, c'est l'eau de Rousse. Cette eau se mesure
par la résistivité, c'est une eau qui fait 30 000 de résistivité, 30 millions. C'est-à-dire qu'il n'a absolument rien. C'est de l'eau, c'est de l'H2O. Et qui est excessivement agréable à boire. Alors tâchez d'en trouver, si vous n'en trouvez pas, je crois qu'il y a ici un stand, je l'ai vu, eh bien, c'est de l'eau à miracle. Le Christ a dit, Seigneur, le Christ a dit, vous qui m'écoutez, n'oubliez pas que si vous n'êtes point beau et d'esprit, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Et oui, c'est l'eau. Et il y a des évangiles qui parlent de cette action de l'eau, externe et interne. Mais enfin, je ne veux pas m'étendre sur ce sujet, mais tout cela est quelque chose de très, très naturel et très scientifiquement expliqué. Donc l'eau est une chose, mais l'eau n'est pas tout. Ce qu'il faut, c'est être dans une zone où vous ayez le maximum de moments magnétiques, puisque je vous ai parlé des moments magnétiques de la vie. Or, c'est très simple. Depuis 30 ans, je parle de l'Asclepia sativa, c'est-à-dire du médecin actif. Vous l'avez dans votre cuisine. C'est pas chez le pharmacien, vous n'avez pas besoin d'y aller chez le pharmacien. Moi, j'ai des années, j'ai fait mes milliers. Qu'est-ce que l'Asclepia sativa? Eh bien, c'est la recette d'Hippocrate, l'Asclepia sativa. Asclepia, ça veut dire médecin en grec. C'est le médecin acide, c'est prendre des éléments acides. Alors le meilleur des éléments acides qui est à votre portée, c'est le vinaigre. C'est le vinaigre. Vous ne devriez pas passer, pour une bonne santé, une journée, sans prendre au moins une cuillerée à soupe de vinaigre. Et vous la prenez dans l'eau, dans le verre. Ça suffit. Vous prenez suffisamment de protons, vous prenez suffisamment de moments magnétiques pour vous tenir en forme. D'abord, c'est indispensable pour l'équilibre intestinal, et ensuite, tout votre organisme en sortira très bien fait. Et ça, c'est pas une recette de bonne femme, c'est une recette qui est vécue, qui est bien connue, qui a été définie même, je vous cite ceux qui veulent de la documentation, je leur signalerai le fameux ouvrage de Michelet, l'historien Michelet, vous savez. Eh bien, il y a ce Flammarion, il y a un livre que je vous conseille de lire, La sorcière de Michelet. Dans la sorcière de Michelet, ce grand savant et ce grand historien, pour s'opposer des histoires de Louis XV et des feulateries, etc., de Louis XIV, etc., a écrit la sorcière. Et dans la sorcière, il signale ce fait que pendant tout le Moyen-Âge, pratiquement, les populations ont été soignées par les femmes, mais pas de médecins. C'est des sorcières. Et ces sorcières, elles avaient des secrets. Et parmi tous ces secrets, elles avaient celui de la Asclepia sativa. Et lorsqu'il y avait des épidémies, eh bien, c'était ceux qui n'avaient pas les secrets de la sorcière, ou la pratique des secrets de la sorcière, c'est-à-dire la Asclepia sativa, qui étaient malades. Et il rappelle notamment que pendant des millénaires, avant la période historique, la Asclepia sativa, obtenue à partir d'une racine de plantes fermentées, le Sarcostema acida avait donné la vie et la santé à plus de 500 millions d'humains. Parce que c'était une pratique qui était rentrée dans les mœurs, c'était presque un acte religieux qu'ils devaient prendre tous les jours. Ils devaient prendre leur dieu tous les jours, le dieu de la santé. C'était un petit peu d'acidification obtenue à partir d'une racine de plante et par fermentation. Et alors nous retrouvons toujours ce même principe qui est universel et qui traduit le résultat d'une véritable science actuelle, c'est de maintenir un milieu acide. Dès lors, je n'ai pas besoin de vous dire que sur les abominations que on nous impose actuellement par les lois scélérates de vaccination, pour vous et pour les autres, surtout les vôtres, ceux qui sont de votre famille ou de votre amitié, les vaccins doivent être dénoncés avec une rigueur absolue. Vous devez vous opposer de la façon la plus totale à l'application des vaccins, qui constitue une violation formelle d'abord de tous les droits de l'homme. C'est de l'enfant que l'on pollue, que l'on ternit. On vient d'accorder une pension à un infirme reconnu, hein, sur 100 000, reconnu, rendu infirme, fou à vie, détraqué par les vaccinations, petite fille en rio. On lui a donné à la famille le conseil d'État, ou le conseil de préfecture, peu importe, le conseil de l'administratif. Une pension de 1 200 000 francs nouveaux, 120 millions, et puis après, comment est cet enfant? Il en a maintenant 20 ans. Il est complètement folle. Elle vit en cage, comme un lapin ou un poulet. Mais elle a reçu 125 000 francs. Voilà.
parce que l'État est responsable des fautes de pollution qu'il impose par des lois scélérates d'abomination instituées au nom d'un imposteur qui s'appelait Pasteur et qui a répandu sur nous toutes les dégénérescences, le cancer, les thromboses, etc. Et voilà ce que j'entends répandre partout dans le monde. Et je commence et je poursuis à l'étranger pour dénoncer cette imposture qui a créé le drame du cancer que l'on recherche partout. Et les Américains, qui sont soi-disant si malins, relativement parlant, qui sont soi-disant si malins et qui sont empoisonnés par tous les vaccins et toutes les ordures qu'ils boivent dans leurs eaux, parce qu'une eau pour eux, pour qu'elle soit bonne, n'importe quelle eau est bonne, n'importe quelle eau, on la prend dans un lac, une rivière, dans des égouts même. Mais on les pure, à nous, on les pure, chimique, on en fait un véritable poison. Et ils sont dingues ils ont actuellement dans les 15 à 18 millions de fonds en Amérique. Ils doivent soigner, payer par l'État, mais je ne sais plus combien, 20 ou 30 milliards de dollars par an. Et alors le cancer en quantité, etc. Donc vous voyez ce drame de la civilisation que l'on refuse de reconnaître. On reconnaît, mais enfin on n'applique pas. On vous traite de charlatans quand vous leur signalez le fait avec toutes les preuves, mais on ne veut pas appliquer ce qui correspondrait, n'est-ce pas, à une mesure logique. Lorsqu'on dénonce un assassin ou un homme qui fait du mal, et bien on le met en prison, on l'arrête. Là non, on continue. Alors il faut qu'il y ait une espèce de conscience populaire qui intervienne et qui fasse une force pour que vis-à-vis du pouvoir, ces excès soient supprimés. J'ai fait une petite brochure intitulée « De la vérité bioélectronique au massacre des erreurs vénériennes et pasteuriennes. Monstrueux génocides vaccinaux, supercrimes nationaux. Les temps de la mort ne sont rien à côté de ça. Mais c'est rien du tout. Là, c'est bien pire. Rien qu'en France, 2 millions de morts décédés par statistique, j'ai fait le travail. Et je le fous dans la gueule. Dans la gueule, ça c'est une gueule qu'ils ont, les gouvernants, ils veulent rien savoir. Le crime que vous avez commis, voilà, et vous le laissez perdurer. Mais non, vous êtes en terme. Ça ne peut pas continuer comme ça. Les gens sont tenus dans l'ignorance la plus absolue. Les journaux sont courbés devant le pouvoir. Ils n'acceptent que ce qui est officiel et autorisé. Et pendant ce temps, on massacre les masses. 12 500 000 Français massacrés de 1920 à 1974 par des lois scélérates. Il faut choisir désormais. Ou la révolte, ou l'acceptation du massacre. Alors, vous avez un choix à faire. Continuez le massacre. Acceptez les vaccinations pour les vôtres. Refusez-les en mon nom. Vous entendez bien. Étant donné ceci, refusez-les en mon nom. C'est vaccination. Absolue. Aucune. Sinon, vous le paierez et vous le vérifiez. Et allons les chiens. Ça prend le temps. Oh là là, ça met le temps. 20 ans, 30 ans, 50 ans, vous, c'est le cardiaque. Le cancer. Quand c'est pas tout seul, à la cause, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. C'est le Saint-Esprit. On ne sait pas chercher, on ne cherche pas. On vous donne des remèdes. On vous passe des rayons. Vous allez dans ces instituts de la mort. Maisons de souffrance. Les instituts du cancer. Véritables entrées. Antichambre des cimetières. Là, vous y rentrez, mais vous ne savez pas comment vous en sortirez. En tout cas, si vous en sortez, ce n'est pas pour longtemps, avant de retourner les pieds en avant. Parce que c'est un massacre, on ne peut pas guérir un cancer, c'est impossible. Parce qu'on n'est pas capable de redonner à des cellules qui ont perdu leur champ magnétique un nouveau champ magnétique du vivant. Le champ magnétique que vous avez passé est sacré. Il ne peut pas se renouveler. Si on vous le brûle, si on vous l'enlève, vous êtes perdu. C'est fini. Ah, bien sûr, le fameux Maté. Ah, professeur du cancer à l'école de médecine de Paris. Il dit Vincent, c'est un. Oh, je dirais pas le mot, un seul mot, c'est tout ce que vous voudrez. Mais ça, cela n'explique rien, parce qu'il n'explique rien. Et moi, j'explique, je dis. Je ne suis pas là pour vanter une camelote, j'ai rien à vanter. Je suis là pour dire en libre citoyen ce que je suis.